Ouais, vas-y, c'est sûr, j'ai entendu un bruit, c'est sûr. Non, mais y'a quelqu'un dans la maison là. C'est pas normal. Non, mais c'est Lily Rose, elle est allée aux toilettes, je pense. Y'a quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Y'a un chat. Qu'est-ce qui se passe? Le chat. Il a le chat dans les mains. Il a le chat dans les mains. Vite, retenez-le. C'est pas possible. Non, mais poursuivez-le. Attends, y'a l'autre chat qui est là. Ça va, il l'essuie. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Lily Rose, t'as vu quelqu'un rentrer? Il y en a un deuxième là-bas. J'espère qu'il va pas prendre l'autre chat. C'est quoi cette affaire? C'est quoi ce truc? Peut-être par là. Peut-être par ici. Motus Murphy. Bon, salut à tous les amis. Attends, je démarre une vidéo. Attends, viens, on va expliquer aux abonnés ce qui est en train de se passer. Oui, faut se dépêcher. Bon, là les amis, je suis avec notre cousin, du coup, notre cousin relou Valentin que vous commencez à connaître. Je vous ai même pas dit bonjour là parce qu'on est très perturbé de ce qui est en train de se passer. En gros, on était chez nous tranquillement. Il y avait Lily Rose, Peppa Pink, il y avait même Jérémy. On était dans le salon tranquillement. Les chats jouaient sur leur arbre à chat, il n'y avait aucun problème. Et là, à un moment donné, on a entendu deux personnes rentrer dans la maison. Bah, c'est Valentin qui les a vus en premier. Vas-y, raconte comment ils sont rentrés. Bah, ils sont rentrés en enfonçant la porte, tout simplement. Ouais, alors, on ne sait pas si la porte était ouverte ou si ils l'ont cassée. En tout cas, ils en ont profité pour rentrer. Ouais. Ça, c'est sûr. Ils en ont profité pour rentrer dans la maison. Et ils sont rentrés. Et là, d'un coup, ils ont pris les chats qui étaient en train de jouer sur les arbres à chats. Ils ont rien demandé en plus que les chats, ils étaient en train de s'amuser comme des... Les chats, ils étaient en train de s'amuser sur l'arbre à chat, ils étaient posés. Et là, d'un coup, on sait pas ce qui s'est passé. Ils les ont pris, ils les ont... Bah, en fait, ils les ont même pas mis dans un sac, ils les ont juste pris comme ça à la main, Ils les ont pris, bah, ils les ont enlevés. Alors, heureusement, les chats n'ont pas eu mal. Enfin, je les ai pas entendus miauler. Mais ils sont partis avec nos chats, quoi. Mais d'un coup, comme ça. Et bah là, du coup, on est dans la rue. Vous voyez, il est super tôt le matin. Il est environ 3 heures là. Parce qu'on avait décidé de pas dormir de la nuit. En même temps, on faisait une vidéo, on faisait une pyjama party, etc. Et là, du coup, on est en pleine nuit. Regardez, il y a absolument personne dans la rue là. Il y a 2-3 voitures qui passent. Et on est en train de chercher nos chats parce qu'il y a des voleurs qui les ont récupérés. On reconnaît leur miaulement. Donc parce qu'on est habitué. Motus donc, a un miaulement très aigu. Ouais, Motus, notre chat noir, a un miaulement très particulier. Donc normalement on devrait le reconnaître. Mais là je vous avoue qu'on est perdu. Et Peppa Pink, Lily Rose et Jérémy ont fait un groupe de 3 pour essayer de les trouver de leur côté. Donc on se retrouve dès qu'on a des nouvelles, les amis. Là c'est assez inquiétant. Je crois que je l'ai vu là. T'es sûr? Non mais alors là les amis, on entend un miaulement. Ah mais alors, oui. On sait pas si c'est dans... Bah oui, non, mais... Ça vient de changer. Je pense que vous l'entendez même dans la vidéo, mais on est passé à côté de cette camionnette blanche. Ça tombe, c'est la camionnette des voleurs. Mais c'est sûr, hein, on avait ça. Bah c'est sûr, non, je voudrais pas dire que c'est sûr, parce qu'on les a pas vus. Mais pourquoi on entendrait... Mais on entend les miaulements de nos chats. Non, mais on va pas essayer d'ouvrir cette... Non, on peut pas faire ça. Attends, les miaulements... Chut. Attends, non, ça vient pas de la camionnette. Ils viennent de par là. Attends, là-bas. Chut. J'ai l'impression que ça vient... J'ai l'impression que ça vient de l'intérieur d'une maison. Attends. Mais c'est derrière cette porte. Motus, Murphy. Attends, faut rentrer. Attends, faut rentrer ici. Attends, je ferme la clé. C'est bon. Bon, là les amis, du coup on est rentré dans l'immeuble, enfin dans l'appartement. Attends, Et on les entend encore. Mais oui. On les entend encore. Ça vient d'en haut, je pense. Non mais... On les entend vraiment loin, mais on sait que c'est nos chats là. Il y a aucun doute. C'est le miaulement de Motus et Murphy. Par contre, ici c'est vraiment très bizarre. On dirait que c'est un peu comme abandonné, je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu sale, tout ça. Regardez les escaliers. Ouais, on dirait que c'est un peu cassé et tout. Regardez, il y a des trucs cassés partout. Tu penses que c'est quelqu'un qui les a amenés ici? Mais c'est sûr, mais de toute façon, tu les entends. Attends, en tout cas, j'ai fermé le verrou. Comme ça, ils peuvent pas nous surprendre. Allez, viens, on monte. Faut retrouver les chats. Vas-y, on n'a pas le choix. Là, je pense que cette porte, elle est fermée. Ouais, ça sert à rien d'aller là. De toute façon, on n'a pas la clé et on n'entend pas les chats. Non, ils viennent pas de là. À mon avis, ils viennent de l'étage. Mais c'est très bizarre qu'on les ait entendus de la rue, quoi. Il doit y avoir une fenêtre ouverte ou quelque chose comme ça. Esteban. Il y a quelqu'un? Il fait pas trop de bruit parce que c'est pas chez nous. Il y a quelqu'un? La porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte. Ah, c'est ouvert. On les entend. Vas-y, rentre. Motus. Y'a quelqu'un ici? Murphy. Eh oh.
Y'a quelqu'un ici? Motus. Ils sont pas cachés. Motus, Murphy. Mais je crois que c'est ça qu'ils avaient avec eux, non? Ils avaient pas une valise avec eux? Oui, mais ils sont pas là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ils sont pas cachés quelque part. Ah non, mais ouais, là, non, mais là, on dirait que c'est. Là, c'est quelqu'un qui habite. Enfin, c'est pas vraiment quelqu'un qui habite ici, quoi. C'est des gens bizarre, qui ont mis juste un matelas gonflable comme ça, qui font du camping dans. Non, mais on dirait que c'est. Ouais, c'est en travaux. Il y a plein de. Sorte de cachette. Il y a plein d'affaires de travaux, en fait, ici. Ouais, c'est ça, il y a des travaux. C'est quelqu'un qui s'est installé pendant les travaux, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on n'entend plus les chats. Ouais, on n'entend plus les chats. Peut-être qu'ils sont encore en haut. J'ai vu qu'il y avait un escalier en haut. On devrait aller voir. Bon, peu importe où vous vous cachez, venez, on vous a découvert, là. On va appeler les renforts. Je pense que je vais appeler... Vas-y, va voir en haut pour voir s'il y a des choses qui se passent. Okay. Moi, j'appelle Peppa Pink et Lily Rose pour leur dire qu'on les a retrouvés. D'accord. Allez, enfin, qu'on les a retrouvés. On sait où ils sont. Allez, c'est parti. Ouais, allô? Allô, Lily Rose, ouais. C'est bon, on a retrouvé les chats. Ils sont... Ouais, attends, je vais t'envoyer, je vais pas donner l'adresse aux abonnés parce que, bon, forcément, faut pas que vous veniez ici parce que vous allez pas retrouver les chats, vous inquiétez pas. Oui, je t'envoie l'adresse par message. On les entend miauler, là, mais je pense que c'est quelqu'un... Oh, Valentin? Il fait noir, je vois. Ça s'éteint. Je vois plus rien. Il y a quelqu'un qui a éteint la lumière. Ouais, je t'envoie l'adresse. C'est quelqu'un qui a piégé les chats, je pense. Ils sont dans un immeuble. Ah. Bon, allez, j'envoie l'adresse à Lily Rose. Ah, j'ai peur du noir, je peux pas rester comme ça. Ouais, non, mais t'inquiète pas, on va allumer la lumière. Mais t'imagines, il profite du noir pour s'échapper avec les chats? Non, c'est bon. Non, non, on a fermé le verrou en bas. Ah, c'est vrai. On a fermé le verrou en bas. T'as rien vu en haut? J'ai rien vu du tout. C'est quoi en haut? Bah, c'est une pièce, bah, comme ici, mais complètement vide. Ok. Y a vraiment rien dedans. On va pas y aller. De toute façon, là, on les entend plus miauler. Alors, j'espère que c'était pas chez un voisin ou quelque chose comme ça. Mais j'espère aussi. Bon, les amis, je vais attendre Lily Rose et Peppa Pink. Et on espère les retrouver directement. Mmh. Allez, à tout de suite, les amis. Bon, les amis, c'est bon. Tout est bien qui finit bien. Ne partez pas, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est Jérémy qui nous a aidés. Ah ils sont là. Ah ouais, non mais là c'était une catastrophe. Donc ça, on n'a pas tout filmé parce qu'on a dû rentrer chez des gens carrément. On a dû frapper chez des gens pour on va dans la pièce. Allez, parce que là les chats ont eu super peur. Donc on a entendu miauler. Vous avez vu, on est rentré dans un immeuble, on a entendu miauler. Sauf qu'en fait après Lily Rose est venue avec Jérémy, Peppa Pink, etc. On a visité chez les voisins, on a demandé aux voisins de rentrer, etc. On a pu rentrer, heureusement ils ont été sympas, ils nous ont laissé rentrer chez eux et apparemment ils ont vu deux personnes entièrement habillées en noir, bah, comme on a filmé au début de la vidéo. Ça doit être les mêmes. Donc c'était bien eux, bah, comme on a filmé au début de la vidéo, et apparemment ils avaient pris les chats, ouais. Ils les avaient déposés dans leur jardin et ils se sont enfuis parce qu'ils ont vu qu'on les poursuivait, tout ça. Donc heureusement, sinon on sait pas ce qu'ils auraient fait, peut-être qu'ils les auraient emmenés beaucoup plus loin en fait, hein. Du coup c'est pas les voisins alors, c'est qui? C'est des gens? Ah non mais c'est des gens, en fait on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, mais heureusement qu'on les a poursuivis. Comme ça bah ils nous ont rendu les chats en quelque sorte, ils les ont abandonnés quelque part. Double ration de croquettes. Ouais, donc là ce soir je pense qu'on va les laisser en sécurité, on va pas trop les embêter. Lily Rose du coup elle est partie aller chercher des croquettes, des nouvelles croquettes pour les récompenser, tout ça. Ouais, donc j'espère qu'ils vont bien aller. Bon, pour l'instant, regardez, ça va, ils vivent leur petite vie. Ah, ça va? Ils ont même envie de jouer, je crois. Ouais, ils ont un peu envie de jouer, mais bon, on va les sortir d'ici, on va les mettre dehors. Même, ouais. En attendant, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et nous, on a eu plus de peur que de mal, heureusement. Allez, à la prochaine, les amis. Bye bye. Bye bye.